À s'en sortir pour Loulou, Seredi qui a éliminé Sverotic. Seredi encore la frappe un peu écrasée, Nikolic qui a lâché. Et l'arrivée de Nuzzolo, intervention de Nikolic dans les pieds de Raphaël Nuzzolo, elle est décisive, même si il se rattrape bien parce que c'est lui qui a lâché ce ballon au départ sur cette frappe un peu écrasée de Seredi. Belle tentative là. Zic encore face à De Neuchâtelois, le centre. Et puis ballon qui arrive jusqu'à repère l'ouverture du score. 1-0 pour Aro. Et tout le bon argovien qui s'est levé, ils le connaissent, l'importance de ce but. On s'est un peu regardé là du côté neuchâtelois. Peut-être gêné par le soleil, Laurent Walter. Quoi qu'il en soit, ce centre qui a traversé la défense, qui a tapé. Une touche pour eux, ça part plus ou moins de là. Allez, c'est un petit peu cruel, mais faut pas se laisser abattre. Pouloulou dans les 16 mètres, Pouloulou la frappe. Ouais, il manque un peu de conviction sur sa frappe là, Amifiko Pouloulou. On est un peu assommé les Neuchâtelois, merci Mike pour cette intervention. Attention à ce ballon en retrait donné par Piquel. Le ballon, la frappe, le 2-0 sur ce contre. C'est Hazard qui peut inscrire le deuxième but argovien. Qu'est-ce qui s'est passé là? On s'est fait piéger sur une action qui n'en était même pas une. Piquel, en taclant la balle, qui a remis, il me semble que c'est Mizic, qui a pu glisser à Hazard. On n'y est pas, on n'y est pas du tout dans ce début de match. Du côté de Neuchâtel, par contre, Stéphane Anchaud va réagir. Il a fait aller chauffer. Qui était dans les pieds de Bexer, Sverotic. Et long ballon vers Mizic qui n'est pas en position de hors-jeu. Mizic il met de la vitesse, Walter qui hésite à sortir. Mizic qui est impossible. 3-0 alors qu'on en est à la première mi-temps de ce match aller de barrage. Neuchâtel qui est en train de sombrer complètement. Et là, en contre, Mizic il peut aller affronter Walter qui ne sort pas. Et il glisse la balle au premier poteau. Walter battu. Aro 3, Neuchâtel. Pu remettre vers Cambert vers les 16 mètres, peut-être victime d'une faute, en tout cas c'est ce que réclame le public neuchâtelois. L'arbitre était très bien placé. Ce Klosner en bonne position qui fait signe à Cambert de se relever. Et ce sera un rouge, carton rouge pour Raphaël Nuzzolo. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout qui s'effondre là. Autour de... Alors on revoit cette action avec ce clocher. On voit qu'il est bien placé. On voit que Nuzzolo arbitre. Ah, je pense qu'il a dit quelque chose en passant devant. Et directement, c'est le rouge. Oh. Galvanisé par ce barrage, par l'enjeu et cette frappe. Oh là, Walter qui a bien failli se faire piéger sur cette frappe extrêmement lointaine de la part de Linus Obexer. Il y a peut-être une opportunité à Neuchâteloise. Ballon vers Adami en retrait. Seredi la grosse frappe. Et l'intervention de Nikolic. Bah, c'est peut-être la plus belle occasion de Neuchâteloise parce qu'elle était magnifiquement construite cette action. Hazard qui peut s'échapper. Maherhofer sur sa gauche, c'est pour lui. Maherhofer, il attend peut-être un appui. On tourne un peu le ballon. Frontino retour. Maherhofer, il remet au centre pour Hazard. Et c'est le quatrième. Et c'est tout simplement magnifiquement joué de la part d'Aro. Cette action. Au milieu de la défense de Châteloise, on a redoublé les passes, on s'est fait plaisir pour conclure devant le but. Hazard qui inscrit donc un doublé dans cette soirée si spéciale pour Aro et Patrick Ramen qui réussit parfaitement son challenge face à une équipe de Super League désormais.